attention, la vidéo qui va suivre a été tournée par un adulte majeur employant un langage un poil fleuri qui pourrait heurter la sensibilité des plus jeunes ou au moins foutre en l'air toute leur éducation. Bonsoir, je ne suis pas Bob Lennon, ha ha. Eh non tout le monde, ici Sonic Sunpower, plus connu sous le nom de Sonic, et aujourd'hui on se retrouve pour le 11e épisode du Let's Throw de Castlevania Lord of Shadow. Bon, je vais baisser un petit peu le son par contre. Voilà, à 30 c'est largement suffisant. Très bien, Zobie Zobek, c'est parti. Cependant, je suis arrivé à un moment où ça va être un léger spoil, donc je laisse Zobek balancer son petit récit et ensuite ellipse pour pouvoir recommencer le niveau. C'est parti. T'allais déjà fait le niveau avant de nous l'avoir montré, Sanix? Non, en fait, je me suis rendu compte que lorsque j'ai fait le niveau, je me suis rendu compte que ce connard de Fraps avait décidé de ne pas capturer à ce moment-là. Il avait décidé de ne pas fonctionner. J'ai dû redémarrer l'ordinateur, c'était un gros bordel. Bon. Maintenant, on recommence en espérant que Fraps, ainsi que mon logiciel de cheat, ainsi que Castlevania Lord of Shadow et que mon PC en général arrêtera de me casser les couilles. C'est parti les enfants. A great victory. Gabriel has won the trust of the girl and together they wield a fearsome power. She is so young, so beautiful. Life is so fragile here on the edge of humanity. And yet in this unforgiving place, she has managed to survive with the help of her Black Knight protector. Sleep will come and take them soon. Tired and exhausted, they rest but this night. Fate once again comes calling, and I fear my friend will never be the same again. Bon, on y va. Malheureusement, je sais déjà ce qui va se passer, donc... je ne serai pas surpris, et c'est ça qui est dommage. Allez, on y va. Après toutes ces péripéties, on avait bien besoin de se reposer un petit peu. Je l'ai déjà fait 100 fois dans tous mes essais, donc je ne referai pas le coup de l'autel sacrificiel. Et merde, je viens de le faire. En tout cas, heureusement, c'est une Agartienne, Claudia. Je rappelle, c'est une Agartienne, elle peut vivre plusieurs milliers d'années. Elle n'est pas immortelle, mais elle, sa durée de vie est extrêmement longue. Vraiment ? Très bien. Très bien ma petite, espérons que t'as de l'endurance. Allez vous coucher les enfants, c'est l'heure du câlin couette. Allez, what? Do not let the darkness possess you, Gabriel. You must remove the gauntlet from the night. It is a key, and the moment will come when you will be in great need of it. No. I will have to continue without it. I will not harm. I am afraid it is far too late for that. Ça va, on a juste fait ce que tu sais. On n'a pas... Quoi? What? D'abord Marie, ensuite Claudia, ça va être quoi la prochaine fois? Pourquoi je bute les gens dans mon sommeil, moi? Non, Arthur. Non, non, Arthur, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai rien fait, c'est pas moi, hein. C'est pas ce que tu crois. En fait, si, c'est exactement ce que tu crois, mais... Calmos, 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 calmos. Putain, à chaque fois, elle me fait le coup. Hein. Chaque fois que j'essaie de tourner ce putain d'épisode, ma main elle tombe. Et ça foire tout. C'est genre, les phrases épiques, c'est réservé aux Lennon, les phrases épiques, moi, j'y ai pas droit. Bon, très bien. J'aimerais comprendre là pourquoi je l'ai buté dans mon sommeil. Tu vas te contenter de marcher vers moi ou tu vas faire quelque chose? Si ton but c'est de m'intimider en marchant vers moi.
évidemment, je peux pas partir d'ici. Oh. Attends, on peut s'expliquer. Waouh. On peut s'expliquer. J'ai rien fait, c'est pas moi. Ok, très bien. Tu veux te battre? On va se battre. Raté. Évidemment, il faut que j'ai de la sueur qui me sorte par les doigts, ce qui m'empêche de bien prendre les boutons de la manette. Bon, essayons de rendre ce combat un tantinet plus épique. Hop là! Je nourris de tes flammes, moi! Oh, Ryuk! Normandie, slash! Oula! Je veux voir un peu quels sont mes combos. Histoire de rendre ce combat un petit peu plus épique. Chaîne circulaire. Non, ça c'est classique. Amélioration barrière de chaîne, non merci. Évidemment, il faut que j'ai... Casse les pieds. J'ai rien de vraiment bien. Oh mais si! Si, j'ai le coup de pied volant. Tiens, prends ça, hop là! Hop là! Il y a par là mon salaud! Et un par là! Désolé Arthur! Là, c'était limite quand même. Enfin, je ne kiffe jamais celui-là. Oula, ok, très bien, j'ai trouvé le moyen de l'esquiver. Hop là, raté, gros. Ok, donc ce genre de méga coup. Des âmes, du sang et des âmes pour Arayok. Allez, viens là mon gros, viens là. Ok, on fait sauter les joints. On va combattre les ténèbres par les ténèbres. Ah, saleté, putain. Ah, c'est toujours à voir. Ah là, ça commence à devenir un minimum plus épique. Oula! Non, c'est à moi ça. Ah merde. Un peu de light magic s'il vous plaît. Je me fais toujours avoir. Ok, d'accord. C'est pas Arthur en fait. C'est Mordred. Mordred, sa putain d'épée du lâche. Ouais, c'est bien ça, c'est Mordred.
C'est clairement Mordred ce truc. Putain. Putain, je me fais toujours avoir. Hein. Raté. Ouais, c'est clairement Mordred. Mordred, le fils Arthur. Et Clarente, l'épée du feu, l'épée du lâche. Oh putain, qui a autrefois appartenu à Arès, le dieu de la guerre. Comme ils le disent dans le film Wonder Woman. Arès n'était pas le dieu de la guerre, c'était le dieu de la vérité. Mais dès qu'il a posé la main sur Clarente, il est devenu complètement cinglé comme ce pauvre chevalier noir. Par là, mon gros. Allez, échec et mat Mordred. Rejoins Morgane dans les ténèbres. Si je me souviens bien, Mordred, c'est le fils de d'Arthur et de Morgane. Oh putain. Le gantelet de Mordred, très bien, ok. Ok. Victoire de Gabriel Belmont. Très bien, j'ai. Donc, si je... Donc, qu'est-ce que je disais déjà ? Si je me souviens bien, Mordred, c'est le fils de... C'est le fils du roi Arthur et de la sorcière Morgane. Ce qui est assez dégueulasse quelque part, puisque là, Morgane et Arthur sont frères et sœurs. Repose en paix, Claudia. Relique trouvée, gantelet noir, et ben voilà qui est parfait. Donc je disais, c'est assez dégueulasse parce que Arthur et Morgane sont frères et sœurs. Mais je crois que Morgane... Comment il s'appelle déjà? Je crois que Morgane a dupé Arthur en changeant d'apparence. Et comme ça, ils ont pu avoir un fils ensemble, et ce fils, c'est Mordred, et le but de Mordred, c'est de tuer Arthur et de renverser Kaamelott. C'est complètement n'importe quoi. Bien. Poursuivons la quête. Mais avant de poursuivre la quête, je crois me rappeler que... Non, c'est pas les chutes d'Agartha. Entrée du labyrinthe. Attendez. Je vais aller voir... Si c'est bien le niveau auquel je pense, et on ira. Allez, à tout de suite. Arrêtez, de nouvelles compétences ont été débloquées. Continuez, donc attendez, papier. Voilà, terminer le menu sans utiliser de l'énergie de magie de l'ombre. Très bien, je vois, c'est pour le chevalier noir, ça. Pouvoir relique. Coup de poing secousse. LT plus X, ok. Un coup de poing projeté puissant, chargez-le maintenant LT et X jusqu'à ce que votre gantelet devienne rouge, puis relâchez pour causer plus de dégâts. Cette attaque peut assommer les ennemis autour de vous ou même les tuer d'un seul coup. Le coup de poing secousse peut aussi activer certains interrupteurs mécaniques. Coup de poing séisme. Un coup de poing puissant vers le bas, chargez-le en maintenant LT et Y jusqu'à ce que votre gantelet noir devienne rouge. Ok, très bien, je vois. Ok, et on a de nouveaux coups. Coup de poing écrasant. En plein vol, utilisez cette attaque. Utilisez cette attaque pour fondre au sol avec un fort de gauntlet. Ok, c'est le Falcon Punch. Ou le Falcon Kick plutôt, hein, puisqu'il part depuis les airs. Maintenez LT à tout de suite. Il est chargé aussi longtemps que possible, puis relâchez pour déclencher l'action. Le coup de poing avalanche, c'est la même chose. Quand il redescend. Très bien, mais exerçons-nous un petit peu. J'espère que c'est bien le niveau auquel je pense. Allez, à tout de suite. Petit aparté les enfants, je viens de trouver un moyen de dominer les wargs. Je leur faire comprendre que c'était moi le boss. Allez, approche. Couché. Couché. Oh putain. 3-4. Ramène-toi.
Allez, hop là. Allez, on y va les enfants. Et à tout. Allez les enfants, c'était bien ce niveau là avec cette statue ici. Voilà. Moi je te décapite. Voilà. Ouais. Oh ouais. À moi la délicieuse upgrade. Et voilà, on peut transporter plus de poignards. Et hop, 20 poignards, ça fait plaisir ça. Amène-toi. Voilà, c'est bien. Allez, on finit ce niveau à vitesse grand V et on se retrouve pour la suite de l'aventure. Voilà les enfants, on peut continuer. Page des compétences, est-ce que je peux m'acheter de nouveaux trucs? Non, je peux pas, c'est à partir de 2000. Hein. Ah, et j'ai presque tout ce qu'il me faut. Alors, je regarde vite fait si l'épisode ne dure pas trop longtemps. Et s'il ne dure pas trop longtemps, on continue avec l'épisode suivant. Et sinon, on verra pour plus tard. Petite pause les enfants. Bien les enfants, on va pouvoir continuer. Ah, oh, les trois tours. Apparemment, oh, il n'y a que deux niveaux ici. Bon, on va faire ce niveau-là puisque 10 minutes c'est large, c'est loin d'être assez suffisant. Allez, on y va les enfants. Dreams are a gateway to the mind, and now Gabriel has paid a terrible price for succumbing to his weariness. The many sleepless nights since his love was taken from him, the fear of falling into sleep, the nightmares that haunt him have all played their part. Did he murder this poor girl? Or is there some other explanation? Doubt gnaws at him now, eating his very soul. The golem protected this child for centuries, loved her dearly, and there was no way he would have let Gabriel live, yet alone give up the gauntlet. Few men could continue. Most would abandon the quest, but something deep inside forces him ever onwards. A dark force has taken hold, and all creatures of the night will come to fear him now. Fear him, c'est moi qui vais les fear, tu vas voir. Putain, c'est beau cet endroit. Par contre, il y a un truc que je trouve complètement dégueulasse avec avec mon PC. C'est que quand je ne... Ok, quand je l'ai noir. Pardon. Donc, avant de vous lire la description, hein... Bon, allez, on va la lire tout de suite, comme ça le jeu arrêtera de nous emmerder. Gantelette noire. Cette pièce issue de la technologie des forgerons d'Agartha ne fait pas partie du plan du golem du chevalier noir, mais a été plus ou moins magiquement fondue dans la création au cours des phases finales. Ouais, c'est une Mordred, quoi. Le père de Claudia l'a incluse à cause de son impressionnant pouvoir et de la force brute nécessaire qu'elle donne au golem pour protéger son enfant chéri. Néanmoins, son but est en vérité bien plus sombre. Ouais, c'est le gantelette Mordred, quoi. Bon. Donc je disais, ce que je trouve dégueulasse avec mon PC, c'est que quand je n'enregistre pas, le jeu est super fluide. Et même s'il est super fluide, là aussi, le jeu, eh bien, ça l'est moins que quand je record, et donc c'est dégueulasse. Allez, on y va. Rock on, punch! Merci beaucoup, sauf que j'en ai pas fini avec toi. Double Detroit Smash! Ah non. Ouh, magie de l'ombre apparemment il veut. Sauf que je n'ai pas de magie de l'ombre, abruti. Je n'ai pas de magie de l'ombre, espèce de demeuré. Ouh, bonjour messieurs! Statue d'élément neutre, ça fait plaisir. Emplis-moi de ta diabolique sainte puissance. Alors c'est que... On y va les enfants. On repasse par là. On peut pas repasser par là.
Eh bien, va te faire foutre, j'ai envie de dire. What? Comment je suis censé faire pour repasser de l'autre côté, moi, en fait? Ah! Je vois. Bien. Et combien imaginons avec Jean? Vous êtes prêts? Maintenant, on a le point d'All Might. Hein. Qu'est-ce que ça va être? Allez. C'est reparti pour un petit Detroit Smash! Dans vous! Vous n'avez pas eu assez? Quand c'est avec le gantelet noir, c'est instantané et c'est beaucoup plus puissant. Detroit Smash! Mais celui-là, comment est-ce qu'on va l'appeler? Shockwave là, on va l'appeler comment? Ça c'est le Detroit. Oh je sais! Delaware Smash! Je pense que ça ira très bien ça. Detroit Delaware! Et bien sûr après il y aura le Delaware Detroit Smash, mais celui-là je crois pas qu'on l'ait tout de suite. Un sacro-saint cristal. Et un cristal complet à ce qu'il paraît en plus. Putain c'est un cristal complet, maintenant on a des cristals complets, cool! Hop là! Detroit! Non, non, ça c'est le Delaware. Ouh, un chevalier. J'ai failli pas le voir. Ah, papy, qu'est-ce que tu as, toi? Cette civilisation déchue est le témoignage de la plus grande ingéniosité humaine. Je suis attristé que tous les secrets résidant ici seront bientôt perdus. Beaucoup ont déjà coulé au fond de l'océan pélargique. White, what? C'est quoi ça, l'océan pélargique? Bon, tant pis. L'influence du seigneur noir est forte ici, et les Warg et Logarou et Lycan hante chaque recoin de ces terres. Je dois bouger rapidement tout en restant discret pour ne pas être repéré. Je n'ai rien découvert au sujet du sortilège qui a coupé le monde de celui des cieux, mais à chaque jour qui passait, une chose est devenue claire dans mon esprit, les seigneurs de l'ombre doivent périr. Non, sans blague. Ah, maintenant je suis All Might quoi. Ou tout du moins Izuku Midoriya. Pas encore toute la puissance d'All Might, moi. Olé! Je ne serais pas surpris s'il y avait quelque chose en bas. Et il n'y a rien en bas. Très bien. Apparemment, celle-là de Darch, je ne peux pas l'atteindre tout de suite. Hop là! Ah, c'était évident. On descend s'il vous plaît. Ok, par là, très bien. Hop là, la petite. Faudrait que je regarde, il y a quelque chose en bas? Non, il n'y a rien du tout. Très bien, on monte. Putain, ça me fait penser à Jacques Chirac cette tronche. Je sais pas pourquoi ça m'est venu d'un seul coup comme ça. Ok, en haut on voit une statue de soin, sauf que j'en ai pas besoin, on va pas gâcher. Je sens l'embuscade. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Delaware Smash! Oh, justement! On a de quoi se payer de nouvelles compétences. Non, c'est 2500, je suis dégoûté. Par contre, j'ai 2000 pour amélioration au combo direct lourd. Allez, je vais faire tous les combos dans l'ordre. Allez, acheter, on y va.
Voyons voir ce que vaut cette amélioration au combo direct lourd. Ça suffit maintenant. Delaware Smash! Detroit Smash! Hey, on n'interfère pas avec le Smash! Detroit Smash! Oh, des fées! Tu vas me foutre la fée, toi! Oh putain, les dacs, je suis complètement con. Je sais que ça touche pas à chaque fois. Les fées, s'il vous plaît! Faudra des couteaux s'il vous plaît. Voilà, t'es mort. Oh, bonjour mademoiselle. Comment on se retrouve depuis la forêt de Pan? Mais c'est beaucoup trop lourd pour toi, ma petite. Tellement mignonne. À un moment, j'ai cru revoir ma petite sœur, mais elle a pas d'aile dans le dos. Ouais, je passe ma petite sœur dans la vidéo, je fais ce que je veux. Cette tenue, le compteur a fait chercher des feux... des feux magiques. Oh, 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 toi je te vois, toi je te vois. Qu'est-ce que tu as, toi? Oh oui, une délicieuse gemme d'ombre. Allez, je me mets en overload. Ah, maintenant que j'ai le Detroit Gauntlet... Non, c'est cet escalier est juste là pour décorer. Alors, expérons. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Ah bon, Christian est déjà rempli. Allez, on y va. C'est tellement bien de se balancer comme ça. Allez, on arrête de faire le con. Et on s'empare du précieux médaillon. Et paf, encore une gemme de lumière, ça fait plaisir ça. Hop là. Attendez, que je remonte. Putain, c'est beau cet endroit. Attendez, je vais me balancer pour qu'on puisse apprécier. Putain, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et hop, comme Michael Jackson. Alors, je serais pas étonné si je me prenais une petite attaque là. Je parie qu'ils vont se pointer qu'à partir du moment où je vais tourner la manivelle. Alors en attendant, la quantité qui me fout la paix les méchants pour faire le tour. Pour le tour du propriétaire. Après tout, maintenant j'ai le Detroit et le Delaware. Où ça mène les méchants? Non, ils ne s'amènent pas. C'est étrange. Ça aurait été une super arène de combat ici. Ok. Ah d'accord, je pige. Il y a plein de trucs de fait. Ok, très bien. Compris ma pauvre poussette, c'est compris. Je sens les méchants. Detroit. Paf. Oh putain. C'est vrai que les dacs ça touche pas à tous les coups. Voilà. D'abord, le frapper pour l'immobiliser. Oh
Il y a un truc par ici. Ouais, il y avait un truc, c'était évident. Détruit des objets, des œuvres d'art. Aucun respect. Il n'y a aucun respect, quoi. Et vraiment, c'est respect, mais lui, il a chié les respects. Bon, ça, il va me falloir un warg. Rigole, je pourrais très bien passer, là. Il me faut un warg pour son droit. Très bien. Voyons voir, il n'y a rien d'autre à obtenir ici? Non, il n'y a rien. Non, ça c'est juste un truc qui s'est cassé la gueule. Ce jeu me rappelle quelquefois Skyrim. Parce que récemment dans Skyrim, je me suis bien fait baiser. En fait, j'avais perdu mes gantelets de la guilde des voleurs. Et du coup, j'ai dû revenir plusieurs sauvegardes en arrière pour les retrouver. Parce que je savais pas où je les avais mis. Ah bah t'es, quand on parle du loup. Sans mauvais jeu de mots. Quelques petits Detroit qui devraient revenir à ta place. Detroit! Delaware! Smash! Ah non, ça lui fait rien du tout. T'aimes que le Detroit, toi, t'aimes que la ville de Détroit. Attention, amène-toi. Je t'attends. Detroit! Smash! Detroit! Smash! Voilà. Au sol. Couché! Mène-toi. Voilà. Ça prend le respect. Non, ce sera... Non. Je vais pas y aller tout de suite. Parce qu'il est possible qu'il y ait quelque chose là. Je vais bien fouiller toute la salle. Eh oh, laisse-moi fouiller tranquille, connard. Bon, ça suffit maintenant. Detroit Smash! Rien. Putain, qu'est-ce que je lag? Qu'est-ce qui se passe? PC qui aime pas les wargs. Allez, monte à ça, mon gros. Je pense pas que j'ai besoin de toi. Voilà. Ça, c'est une barre de vie, sauf que je ne vais pas le prendre, ça risquerait de faire bugger mon jeu. Non, il n'y a rien à voir là. Oh! Un chevalier mort. Bien. Et une gemme d'ombre. Je pensais que ce serait un papier, mais bon, c'est... Ils sont généreux sur les gemmes ici. Oh putain, un loup-garou. Detroit Smash! Les couilles là. Delaware Smash. Ah oh ouais, ça maintient les gros à distance. Tu dégages toi. Donc, je me débarrasse parce que tu me casses les couilles pendant que je me bats contre le gros. Detroit. Delaware Smash. Allez Daniela, tu dégages. Je sais pas si c'est Daniela, je pense qu'il faudrait que je me renseigne. Bien, on y va.
Ok, très bien, je vois. Ouh. Ok. On peut d'abord voir s'il y a quelque chose à faire ici. Alors. Mais c'est ce que je dis. Imaginez la lumière, ce serait ça normalement. Non, c'est pas ça. Ok, donc c'est magie de l'ombre. Magie de l'ombre ici. Magie de l'ombre là. Et magie de la lumière là. Mais c'est ridicule tellement c'est simple. Tu fais 2-3 essais, tu te foires 2-3 fois et c'est bon. Oh là là, quelle honte. Quelle honte la facilité de cette énigme. Ça fait un moment que je n'ai pas vu le plétrou du Lennon là-dessus. Oh, des fées. Fées. Quand les fées ont été sélectionnées, appuyez sur B pour en lâcher une sur l'ennemi le plus proche. Les autres fées peuvent être lâchées en appuyant en main de nouveau sur B. Les fées se dirigent automatiquement sur leur cible et peuvent distraire certains ennemis vous permettant de préparer une attaque dévastatrice. Les fées sont très fragiles et meurent après une utilisation. Les forces magiques qui animent les fées peuvent également être utilisées pour réactiver certains mécanismes anciens. Ça, c'est cruel, par contre. Fées de lumière. Quand la magie de lumière est activée, les fées exploseront au contact de l'ennemi. Cette explosion cause des dégâts importants et peut s'avérer fatale pour certains ennemis. Cependant, les fées périront au cours de l'attaque. Attendez, que je regarde. Non, faut que je switch. Ah, je vois très bien. C'est trop mignon. Allez, je repars sur les dagues. On y va. Attendez, laissez-moi deviner, il va me donner le papier, c'est ça? Sérieusement, je trouve le papier après avoir réussi l'énigme. Bon, oh, c'est pas grave. Ça viole légèrement le scénario, mais c'est ça qui est bon! Et hop, je jongle contre les couilles de Zeus. Et hop là. Detroit. Ah. Non. Là-dessus. Non, ça va pas. Putain, mais c'est beau cet endroit, nom de Dieu. Oh putain! Detroit! Ah ouais, lui c'est Delaware ou rien d'autre. Hein. Delaware smash! Detroit. Smash. Allez hop. Une bonne gifle. S'armez-y bien en place. Allez. Couchez l'euro. Bien, est-ce que je peux continuer ce que je faisais tranquillement maintenant? Je vais quand même l'emmener là-bas. Je la branche ici. Voilà, maintenant que c'est fait, c'est parfait. Allons de l'autre côté maintenant. Alors, qu'est-ce qui était censé avoir de beau ici ? Oula, il y a un truc là.
quelque chose de bien là. Juste un couteau. Qu'est-ce qu'il y a ici? Hop là. Ah ah, encore une fée. Il nous en manque plus qu'une. Bah alors, je suis obligé de passer par... Ah, putain le con. Ouh, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là? Non, Gabriel. Gabriel. Voilà. Qu'est-ce que je vois ici? Oh nom 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 nom, la bonne gemme tombe. Putain, je suis carni, ça fait... C'est la troisième gemme tombe que je trouve dans ce niveau. Je suis verni, moi. Repose en paix, mon pote, tu l'as bien mérité. Bon, faut que j'aille où, moi, maintenant? Retournons par ici. Oh, putain, Agartha, j'aurais bien aimé visiter, moi. Allez, on y va. Hop là. Et de 1. Le pif. Et la deuxième couille. Voilà. Voilà, c'était ici qu'il fallait aller. Je sens pas cet endroit. Et voilà, dernière fée. Et... Faut repartir par là? Oui, faut repartir par là. Non, faut pas descendre par ici. What? Me suis fait ken. Mais what? Voilà, ici ça marche. Bien, maintenant que ça s'est fait... Ah, est-ce que je peux reprendre ce passage? Non, je peux pas reprendre ce passage. C'est dommage, si on avait pu le faire dans tous les sens, ça aurait été cool. Mais non, apparemment c'est dans un seul sens et bah c'est pas cool ça. Non, c'est pas par ici. C'est là-bas que je dois aller, dans la pièce au-dessus de la grosse statue. Là, j'admets, je pige pas. Bon. On va faire ce que je veux. Allez hop. C'est la deuxième fois que je passe par ici. Une seconde. Ouais. Une gemme de vie, ça fait longtemps. Putain, quand je pense qu'elle était là depuis tout ce temps et que je la remarque que maintenant. Non, 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 tu me feras pas le même coup que tout à l'heure, Gabi. Ça, on vient déjà de le faire. Hmph.
fait. Et maintenant, je fais comment pour redescendre? Sans doute par là. Ok, non, donc on peut pas faire ça directement. Faut obligatoirement passer par ce truc. On descend, s'il vous plaît. Maintenant. Ok, je dois refaire ce truc. Très bien. Soit comme tu veux. Oh putain. Oh mais quel enculé. Oh le trou du cul quoi. Le trou du cul. Putain ils sont quoi. Oh non mais vous êtes pas sérieux. Ah bah t'es, justement, c'est le moment de tester. Justement, c'est le moment de tester le cristal noir. Retournez dans votre chenille. Je t'invoque. Abzu, démon des ténèbres. Dieu de l'obscurité. Viens à moi. Et dévore les âmes de ces enfoirés! Ah, ça fait plaisir et je peux le réutiliser direct. Ah, bah ça fait plaisir, une petite invocation démoniaque de temps en temps. Merci Abzu! Bon travail! Alors. Ah. Et hop la fenêtre. Bien. On ouvre ça. À vous de jouer les filles. Votre sacrifice ne sera pas oublié. La porte des dieux s'entr'ouvre. Et ben voilà, et j'ai eu toutes les gemmes. Putain, 3 gemmes d'ombre, une gemme de lumière, une gemme de vie. Je suis gâté dans ce niveau, moi. J'étais gâté. Tiens, amélioration introuvable. Très bien. Poursuivre la quête. Le seigneur noir délicat. Ouh, et bien ça, les enfants, ce sera pour l'épisode 12. Dans l'épisode 12... on va enfin se battre contre un connard de seigneur de l'ombre. Mais d'abord, je vais reformer un petit peu les niveaux, histoire de m'acheter suffisamment de coups pour lui casser la gueule à ce connard. Allez, salut à tous et bye bye.